Trois semaines après avoir annoncé la disparition de son papa, Camille Santoro, famille nombreuse, la vie en XXL, a repris la parole sur Instagram pour se confier à sa communauté. Ces dernières semaines, Camille Santoro, maman découverte dans Famille Nombreuse, la vie en XXL, se fait très discrète sur les réseaux sociaux. Après un long silence, elle a finalement expliqué les raisons de son absence sur Instagram. Les derniers mois ont été très longs, insoutenables. Mais si est-ce fini, mon papa s'est envolé. Je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour remonter la pente. Tous ceux qui me connaissent savent la place importante qu'il avait dans ma vie, disait-elle. Heureusement, l'épouse de Nicolas peut compter sur ses proches pour l'aider à retrouver le sourire, même si le chemin est encore long. Si est-ce pourquoi, ils sont tous partis se ressourcer sur une île paradisiaque. Camille Santoro, famille nombreuse, revient sur la plus belle semaine et la plus difficile de sa vie de retour en France après des vacances bien méritées. Camille Santoro a retrouvé son bureau dans lequel elle s'occupe de sa marque de vêtements. L'occasion pour elle de prendre la parole pour donner de ses nouvelles et de revenir sur ses derniers mois. Tout est encore très mélangé dans ma tête, mais un jour après l'autre et ça va aller, annonce-t-elle dès le début. Les derniers mois ont été assez difficiles, les dernières semaines aussi et je pense que celles qui arrivent le seront tout autant. Je pense qu'il faut relever la tête et y aller. Si est-ce ce qu'il aurait aimé. Si est-ce ce que j'essaye de m'efforcer de faire, explique-t-elle. Puis, elle revient sur les derniers instants de son papa, une semaine qui a été à la fois la plus belle semaine et la plus difficile de sa vie. Cette semaine-là, on était tous ensemble avec mes frères et mes sœurs, dans la maison familiale auprès de mon père. Et je n'étais plus la maman de ou la femme de, mais simplement la fille de mon papa. J'étais auprès de lui, entouré de mes frères et sœurs, et c'était magique. Il était là pour le début de ma vie. J'étais là à la fin de la sienne. Camille Santoro se souvient alors du papa qu'elle a connu pendant plus de 30 ans. Je suis très heureuse du père qu'il a été pour moi. Je suis très heureuse du grand-père qu'il a été pour mes enfants. Il a été absolument incroyable, confie-t-elle, non sans émotion. Et de terminer, il était là pour le début de ma vie. J'étais là à la fin de la sienne. Et c'est absolument tout ce qui compte. Love.